Mes élèves, bonsoir. J'espère que vous allez bien, en bonne santé. Alors, ce soir, le live est consacré pour la boîte à merveilles. Chapitre 7, 8 et 9. C'est bien? Et je voudrais bien, pour profiter de cette occasion, pour remercier tous les élèves et toutes les élèves. Et il y a des messages, soit à les compliments, soit à un message, chokra les compliments. Donc aujourd'hui, on va traiter ensemble chapitre 7 et 8 et 9 de la boîte à merveilles. Donc, je vais vous partager mon astuce à dire comme à tirer mon him. Trois minutes et on commence. Marwa, bonsoir, elle est. Bonsoir, elle est. La boîte à merveille de l'Elioma, chapitre 7, 8 et 9. Marhaba bik, Malik Sagher, merci. Trois minutes et on commence. عندكم دي كومنتير عندكم دي كيستيون كونسيرنون لي شابيتر 7 8 و 9 alors vous pouvez poser n'importe quelle question. Je suis prêt à répondre à toutes vos curieuses questions. Je suis ici pour vous. Alors faites partager ce live avec vos camarades et taguez vos camarades. Parce que le cerveau suit le corps. Alors, Ifwan, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce soir, on va traiter ensemble les chapitres 7, 8 et 9, c'est-à-dire chapitre 7, 8 au 9 de la boîte à merveille. On va suivre la même méthode, la même explication, alors c'est-à-dire le chapitre bien détaillé, bien analysé et bien expliqué. Chez Haja, Mendakshi, Kima, Bhaldima. D'après, Lyon, on a déjà fait le chemin. Allah, il va te contrôler, Chouya. Le chapitre 7, 8, 9, 10. Fium, je vais te faire le chemin bzaf. Donc, Dakshi, Allah, il va te faire le commentaire pour les gens bien. وحلوا لي زاباري ديالكم مزيان ولا عندكم دي كيستي ولا عندكم شي حاجه خلوهم في لي كومونتير. الوغ اون فا كومونسي. دونك كومونسون باغ شابيتر 7 سي بيان. الوغ شابيتر 7 هذا شابيتر 7 هادي الوغ جامع لي زيفينمون احداث برانسيبو. الوغ لا فيت دو عاشوراء عندنا لا جوا دي ناراتور. عندنا سون ديبار بوغ سو كوافي اي اشتي دي جوي. تقد هادو هما الاحداث الرئيسيه. وعندنا عاوتاني لو جور دو عاشوراء. تقد هادو هما الاحداث. وعندنا لا فيزيت دو لالا عائشه. يعني شابيتر 7 فيها شحال من حدث كومبيان ديفينمون. خمسه تاع لي زيفينمون سي بيان.
Verkana chapitre 8 et chapitre 9. C'est bien. Donc, on commence par l'explication du premier événement, c'est-à-dire le premier thème de chapitre 7. La fête de Ashura. Alors, l'ihtifal bi Ashura. Alors, vous savez bien que Ashura, c'est une fête exceptionnelle, existe uniquement au Maroc. Mais فقط هنا في المغرب ديالنا ما كاينش d'autres pays. Alors, uniquement existe au Maroc. Donc, cette tradition هذه تحتفلوا بها المغاربه donc une seule fois dans l'année. Très bien. Avant la fête, c'est-à-dire avant la fête, يعني قبل الاحتفال بالاحتفال انتم عارفين لا تراديسيون ديالنا لي فام اشتي كوا دي طامبور طريجه البندير ترومبيت كل واحد تيشري الو وسي تنشريو لي فيتمون الاولاد ديالنا وتشرو التمر فاكهه كما تنقول تخيل الو اول فيت تادير العاشوراء لي فام افي اشتي الو لي فام افي اشتي كوا دي زانستريمون ميزيكو تادير دي زانستريمون ميزيكو مجموعه من الادوات اللي هما ادوات كثيرين ادوات موسيقيه الو باش نشراو هاد العيالات دونك بندير شنو البندير راكم عارفين شنو هو البندير طق الو طامبورا سي بيان الو شراو البندير وشراو طامبورا الو بوركوا دون لوبجيكتيف ولا دون لانتونسيون دو سيليبري لا فيت دي عاشوراء دون دي كونديسيون اكسيبسيونيل باش نحتفلوا بلا فيت دو عاشوراء واحد الاجواء اللي هي اجواء رائعه واجواء مناسبه مزيان اخوان Alors, on a la fête de Ashura. Les femmes préparées bien pour fêter ce jour exceptionnel avec leurs amis et c'est-à-dire les habitants du quartier. Célébrer ensemble, chitavlo ensemble. Takali donc, chnushrao, chraolina albindir, tambora et d'autres instruments musicaux afin de célébrer la fête ensemble. C'est bien. La joie du narrateur. La fête de Ashura approchée. Mazal waslach, approchée. Le narrateur, il est. Plein de joie, Saïd, Ferhan, Nash, Marasso, très bien, alors Nash, Marasso, il était très heureux. Le narrateur, c'était Mohamed, il était très heureux, Saïd. Alors, il était très heureux parce qu'il a acheté une trompette. Je vais une trompette. Alors, la fête de Ashura approchée, je vais acheter une trompette. Comme Armin, qu'est-ce qu'une trompette? C'est-à-dire, la trompette est mort, fait, alors, c'est la trompette, c'est la trompette, c'est la trompette. المهم شو على هذا الشيء على راسي راه تيكون هذا الدقه المراكشيه الوغ الى اشتري ترومبي شرا واحد لا ترومبي مزيان يا ابخي اي بارتيسيب او بريباراتيف اون سيت سادير اي بارتيسيب او بريباراتيف دو سيت كان مريح مع ليه ما بيتا جا عنده حموصه الوغ جا عنده ستان كارسون تخي بوتي اي بوسيت اون تاي مانس اي بوتي صديق صور جا عنده قال يتكلم الفقير الفقير باغي شي حاجه الوغ علاش بغا الفقير بريباراتيف Alors, pour bien organiser le site et nettoyer le site et fait donc célébrer la fête de Ashura au site. Il y a un tableau de site, je ne sais pas si vous avez le site, l'organisation du site. Alors, il y a un bola, il y a un aïbat, il y a un aïbat. Alors, pour célébrer la fête de Ashura. Bien, après son départ pour se coiffer et acheter des jouets. Bien, l'app dialo d'Ama, ben, je suis assez. Alors, je connais Cheikh Hassan, c'est-à-dire le narrateur et son père, Cheikh Hassan, non? Très bien. Et aussi pour acheter des jouets. C'est bien. Alors, c'est troisième thème. Son départ pour se coiffer et pour acheter des jouets. Je vais vous dire, on va acheter des jouets. On va acheter des jouets. On va acheter des jouets. Bien. Le narrateur, il accompagne son père au soc. Pour choisir ses jouets préférés. Alors, tout d'abord, le narrateur visite le soc avec son père, Charles Soc. Très bien. Pourquoi? Donc, l'objectif, donc l'attention, afin d'acheter des jouets musicaux, c'est-à-dire des jouets musicaux, des instruments comme trompette, comme tambourin, c'est bien. Donc, il a acheté quoi le narrateur? Schnurta, il a acheté quoi? Trompette, Zmara. Tambour, c'est bien. Il a aussi acheté, un cierge pour le frère. Je ne sais pas comment tu dis un cierge. C'est-à-dire, le cierge, il y a une chimère. Alors, je ne sais pas le frère. Je ne sais pas le frère. Je ne sais pas le frère. Alors, on a fait une chose. Donc, c'est la première partie. Et après, la deuxième partie,
Elle est partie donc chez Al-Islam pour se coiffer. Très bien, pour se coiffer. Malheureusement, le tour de narrateur n'arrive pas parce que le Halla il est plein de clients. Vous savez, les clients sont capables. La joie est à l'activité, soit qu'un Eid, soit qu'un Ashura, soit qu'un Eid Sghir. Dis-moi le Halla, les salons, les lieux, ils sont amenés les clients. Très bien. Alors, les narrateurs, c'est-à-dire, les clients parlent, discutent, conversent, jacassent ensemble. T'es drôle, dynamique, heda, heda, très bien. Donc, le narrateur ne s'intéresse pas. C'est-à-dire, ne s'intéresse pas à la conversation de qui des clients. Yani, on se voit chez les clients, on se voit chez les gens. Moi, je me dis, goulot, alors, je me dis. Très bien. Alors, le narrateur, il déteste, il n'aime pas Abdeslam. T'es vrai, je le halla. Lâche, le coiffeur, lâche, ma débré. Donc, il déteste Abdeslam, le halla. Donc, lâche, ma débré. Je vous lâche. Parce que Al-Islam, c'est celui qui est chargé, alors qui est chargé de le circoncire. Alors, celui qui est chargé de faire quoi? De circoncire le narrateur, c'est-à-dire la circoncision, les yastana. Alash, alors, c'est toi qui as fait nous, mais qui as fait nous. Après, les chouans, Hadji Alash, ou Atekra, Al-Islam, le halla, le coiffeur, il n'aime pas ni, c'est-à-dire ni son boutique, ni aussi Al-Islam, parce que c'est celui qui était chargé de faire quoi? De faire la circoncision. Alors, la circoncision, yafdana. Après, le jour de Ashura. Alors, yom Ashura, le jour de la fête de Ashura. Le jour de Ashura. Très bien. Alors, quatrième thème, il y a le jour de Ashura. Très bien. Je n'ai pas le jour de Ashura. L'enfant jouait avec Zineb et d'autres aux terrasses. L'enfant qui l'aide, ma serviette. الأصدقاء زابت على كاما في تلعب في تراس صح très bien alors elle brère elle joue ensemble elle frappe des musiques très bien alors l'enfant jouait avec Zineb et d'autres au terrasse يعني صح لا مع زينب اللي هي ليمي véritable العدو ديالو parce que le narrateur déteste Zineb et d'autres gamins d'autres personnes de même âge que le narrateur l'enfant se réveillait tôt à 3h du matin se met ses vêtements neufs pour aller célébrer cette journée exceptionnelle au Msid. Alors après, jette le homme Diallo, yani l'île de l'Ashura, le ghad de l'Ashura, le nahar de l'Ashura, jette le homme Diallo, fayiqatu, ma'a tlata de l'asbah. Très bien, fayiqatu, ma'a tlata de l'asbah, quand il y a un peu de temps, alors quand il pleut, il pleurnichait, il pleurait, donc à 3h du matin. Pourquoi? Alors pour aller célébrer la fête de l'Ashura au Msid. باش يمشي يحتفل بلا فيت دو عشرة في المسيد فين الو باش يحتفل بلا فيت دو عشرة في المسيد مع لي زامي ديالو اي اوسي لو بري اوسي ال دون لو كادو كي لا في ديجا اشتي ا 100 متر لو بري تري بيان سي بيان اي اوسي لا مي سي فيتمون لي ني سيتادير لي نوفو فيتمون كي لا في ديجا اشتي او شابيتر سيتادير شابيتر 6 لبس الحوايج ديالو الجلابة والجيري ديالو المسائل ديالو البافوش ديالو دونك مشى ومشى في مشى الوغ مشى للجامع تخي بيان لا فيزيت دو لالا عيشة ابخي الوغ سي لو ديغني تيم سيتادير لا فيزيت دو لالا عيشة Alors, la visite de la Aïcha, c'est-à-dire après le repas, c'est-à-dire après le repas, le narrateur et son père et sa mère préparaient un programme pour visiter Moulay Idriss, parce qu'ils sont au Moulay Idriss, on dirait que le programme est un programme, donc nous allons faire la prière en commun, Salah Jama'iya, et après, en retour, et partir en Moulay Idriss. Mais malheureusement, après le repas, c'est l'arrivée de la Aïcha. Alors, j'ai fait un Lala Aïcha, c'est-à-dire la voisine intime, pardon, c'est l'ami intime de Lala Zobida. Donc, la famille des narrateurs. Donc, après le repas, Lala Aïcha vient rendre visite à la famille des narrateurs. J'ai chauffé. Il n'y a pas de problème chez Haja. Très bien. Alors, le programme, ma kmilch. Les canons d'Erino, je suis le Mouledris, ma bkache. Très bien. Les affaires, alors, ensemble des questions concernant le mari de la Zobida, le mari de la Aïcha, entre les femmes. Alors,
les affaires de son mari alors prospèrent bien. Alors, il a dit, bien, il a dit, il a dit, il a très bien. Donc, elle doit voir, je connais elle. Elle doit voir, je connais elle. Elle doit voir, c'est-à-dire un secret à son ami. Oui. عندكم دي كيستيون ولا عندكم شي حاجة راه قولوا في لي كومونتير شي مشكل. Alors chapitre 8, donc passons maintenant au chapitre 8. C'est bien. Alors la mère du narrateur lançait quoi? Lançait une guerre totale contre les insectes. Très bien. Alors commençons par la première, c'est-à-dire le premier événement. La mère du narrateur lançait, très bien, une guerre totale, c'est-à-dire contre quoi? Contre les insectes. Très bien, Hacharat. Très bien. Alors, contre les insectes, nous allons faire les Hacharat. Alors, je vais sortir de mon dar. Tu m'as raconté une façon simple de faire beaucoup de Hacharat. Je vais utiliser n'importe quelle méthode. Tous les moyens possibles. Très bien. Et après, on a les écoliers n'étudient plus homicide. Ils déménagent dans un autre, c'est-à-dire mausolée. Après, on a les élèves, c'est-à-dire. Alors, les élèves, c'est-à-dire l'étudiant plus, à qui? Oh, on cite Alash. Alors, parce qu'il devient donc un lieu étouffé, un lieu chaud. Alors, un lieu étouffé où l'imprenant est très chaud. Donc, il déménage dans un petit mésolé, c'est-à-dire les élèves, ils avaient changé le lieu totalement, un autre lieu, les rois, le mausolé, ils déménagent. Un autre lieu, Pimcham Chao, le mausolée. Alors, Mcham Wah, le mausolée. Wah Tareh, le Wakreg Léon. Alors, Mcham Wah Tareh. Donc, le narrateur, il y a une description globale, une description valorisante à qui donc à ce mausolée parce qu'il était magnifique. Le narrateur commence à apprendre rapidement les versets coraniques et lit automatiquement au frère, donc les versets, il prend 15 versets coraniques, c'est bien, et après il nous dit que les jeunes filles, c'est-à-dire qui désiraient se marier, faire cette fois le tour des mausolées, après les filles, le narrateur déclare que ce lieu, c'est comme un lieu, alors les filles, les jeunes, alors, les jeunes filles qui désirent, alors on a les jeunes filles qui désirent se marier, alors faire quoi? Faire 7 tours, alors faire 7 tours de quoi? Autour,
autour de quoi? De tombeau. Ça tourne. Alors fait 7 fois tourner. Alors 7 fois tourner de tombeau. Ça tourne. Alors des tombeaux. تجرب على ذاك الضريح الوغ نهضروا عليه ستات ستات المره تري بيان سي بيان الوغ لو فري انونس او بير كو سون فيس ايتي بريون اي سورا ان سافون ابري اي ابري اون لو فري لو فري افي رونكونتري لو بير دي ناراتور اي اون لوي انونسون كو سون فيس ايتي بريون الوغ ايل بران رابيدمون donc avec une manière très progressive, c'est-à-dire les versets coraniques et le sang. Moi, je vais vous dire que vous avez dit 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 que vous avez opère du narrateur que son fils est brillant. Yani ou la mouchtaïd, très bien, ou la mouchtaïd. Alors, s'il continue comme ça, il serait un avant. Il a pas un savant. Très bien. Alors, s'il continue comme ça, il serait un grand savant. Il est un alim. Mais, donc, c'est-à-dire le père du narrateur, Moulay Abslam, il est fier de son fils. Alors, il est plein d'orgueil. Voilà, mon fils, il devient un savant. Donc, Wuldian Arayouli, un savant. Très bien. Alors, il voudrait que son fils devienne un savant. D'après Ikhwan, donc, mais quoi l'enfant, c'est-à-dire, l'enfant ne veut plus. Yanni Mabrach ne veut plus être un savant. Un Mabrach oublie Alim. Alors il y a Alim au frais. Alors, frais au Alim. Alors, très bien. Donc la visite au soc des bijoux. D'abord, tu vois, la partie essentielle. هنايا مازال ما دخلش في السونسيال هذا غير ديبار ديال دابا نمشيو لي زيفينمون اللي هما اسونسييل اللي هما تري امبورطون لو كومبا اونتر دلال لو كورتيي لا مالادي دي سيدي محمد كي كومونس افوار دي كوشمار اي تري بيان لي براسلي كي بورت دي مالور على ميزون دي ناراتور يا اخوان ركزوا معايا مزيان فهاد لابارتي راه مهمه بزاف الوغ ناخدو دوطخ تيم ليا 4 La visite au centre des bijoux. Alors, la visite au centre dit. Alors, des bijoux. Très bien, le narrateur. Il y a l'explication entre deux points. Le narrateur. Alors, le père, c'est-à-dire Moulay Abslam. Le père avait aimé sa femme et Fatman Zioya au soc. Alors, Finchon, Chao Lehwan, Chao Soc. Très bien, pourquoi? Pour acheter des bracelets. Alors, pour. Pour acheter des alors pour acheter des bracelets j'en sors ben j'écris des bracelets les mêmes j'écris ma cité j'écris au milieu les mêmes la mère du narrateur d'après alors la visite au sort des bijoux j'en sors de bijoux pourquoi pour acheter des bracelets à la mère du narrateur le père avait aimé sa famille Ifatma Bzioya. C'est donc celle qui a accompagné la famille du narrateur au soc des bijoux pour acheter des bracelets. Le bracelet. En arrivant, lorsque la famille, Fatma Zioya, arrivait au soc, on a un combat entre Dlal et le courtier. Très bien. Alors, je peux effacer cette partie. Alors, c'est mieux. Donc 5
le combat entre Bilal et le courtier. Alors le combat entre le courtier et le père des narrateurs. Très bien. Alors on a un combat entre qui? Entre le courtier. Tu connais le courtier, c'est-à-dire Samsar. Alors Samsar, c'est le Samsar, hein? Très bien. Alors les deux sont disputés, sont combattés. Pourquoi? Parce que donc, il vient donc un courtier, présente ensemble des bracelets au père du narrateur. Alors le père donc prend les bracelets et donne les bracelets à qui? À sa femme, la Zoubida, qui examine alors attentivement les bracelets avec Fatma Bziouia. Prêtez chez vous faire des bracelets. Voilà, alors la Zoubida, elle adore ses bracelets. Elle donc dit à son mari, voilà, j'ai moi ces bracelets. Le père donc discute le prêt. Alors Katenar Chma, le prêt avec le courtier. Donc, ils sont d'accord, les deux se mettent d'accord au prêt et même les chiffres. Mais malheureusement, le courtier augmente le prêt des bracelets et aussi échange le chiffre. D'après, et quoi, on va te faire commenter, on va te faire d'apparté, on va te voir. Alors, c'est bien. Donc, tu donnes un accord avec toi de la partie, Adi. Femme touche. Ok. Donc, alors, je darbe Bilal ou le courtier, alors, je darbe. Alors, comment alors, je darbe, on va faire l'âge. Donc, alors, je darbe Bilal et le courtier. Au Samsar. Alors, je darbe. Ouais, alors, alors. Maintenant, comme j'ai des questions. واخا منال ما فهمتش علاش ضربوا. واخا سي بيان. شو واحد اخر؟ الوغ تابعوا معايا الاخوان مزيان. الاغلبيه ما فهمتش هاد لابارتي هادي شرحتها باللغه الفرنسيه ما عليناش. الوغ لالا زوبيدا عجبوها لي براسلي شداتهم ياك. الوغ شدات دوك لي براسلي باقيين شداتهم. الوغ هي تقول لهم عجبوني هاد لي براسلي هادو عطاتهم لو بير سادير سون ماري. بعد شافهم الوغ ملي شافهم عطاهم دلال الوغ طافقوا على الثمن ولكن هو زاد عليه في الثمن وبدل ليه دوك لي بغاسلي لو بير دو ناغاتور ما رضاش الوغ ما فين ضاربوا وياه وداك هرب ليه بالبغاسلي وتبعوه الوغ بقاو ضاربين بيناتهم متفقين مي ابخي لو روتور دو بير ان ابورتون لي بغاسلي الوغ رجع الاب وجاب معاه لي بغاسلي متفقين الوغ رجع الاب وجاب معاه شنو جاب معاه لي بغاسلي الاخوان غنحاولوا ما نديرو غير شابيت 7 وشابيت 8 شابيت 9 حتى الحصه المقبله ان شاء الله دونك انا بورتون لي بغاسلي وجاب معاه شنو جاب معاه لي بغاسلي تري بيان لا مير دو ناراتور لا فو با سي بغاسلي حيت علاش لو بير دو ناراتور ضربو ديال ضربو الوغ داك خرج من الدم تريك سليب ديالو رعاف متفقين الوغ لو بوتي انفونس دي محمد بقات يبكي ما عرف شنو وقع ليه تلقيني الخوت دونك هنا لا مير دو ناراتور الوغ لا مير دو ناراتور ما فو بلوس سي براسلي انا مبقاش بغات لي براسلي هادو علاش؟ إل كخوا كو سي براسلي بورت دو مالور تخي بيان الوغ إل لي كونسيدير كوم ان سين دي مالور تخي بيان لا مير دو ناراتور إل لي كونسيدير كوم ان سين دي مالور طبقين الوغ اعتقدت ان هاد لي بغاسلي هادو غيجيبو النحس للدار الوغ غيجيبو لها النحس للدار تخي بيان طبقين الوغ لو ناغاتوغ في ان كوشمار ناغاتوغ طومبي مالاد تخي بيان الوغ سيس شنو عندنا
Alors, عندنا 6, عندنا le narrateur tombé malade. Le narrateur fait des cauchemars. Alors, le narrateur fait quoi? Fait des... Alors, le narrateur est tombé malade et fait quoi? Fait des cauchemars. Donc, le narrateur, alors, le narrateur tombé malade. Très bien. Le narrateur tombé malade et fait des cauchemars. Donc, après, il trouve une à la kawabis ou il l'aimerait. Il ne va plus en Sid. Très bien. Le narrateur, il ne va plus au Sid. Très bien. Alors, après, il y فين المسيد دونك ياخذ الو بقاش يمشي المسيد علاش حيت ولا مريض لالا عائشة فيا روندر فيزيت الى لالا زبيدة او لوي انفورمون كو سو ماري ا فودري ايبوزي تري بيان الو هنا شنو عندنا لا فيزيت دو لالا عائشة الو سات لا فيزيت دو لالا عائشة alors عندنا la visite de la Aïcha donc vient annoncer vient informer alors vient informer que son mari alors vient informer la Zoubida que son mari très bien, alors que son mari a épousé la fille de coiffeur. A épousé la fille de coiffeur. Très bien. Alors, maintenant, elle a le narrateur d'Ahmrid. Donc, j'ai la Aïcha, j'ai la Zoubida. Je suis allé à la Rajli Barit Zouj. دونك ملي غيتزوج غيتزوج بلا فيتو كوافور هذا هو السر اللي كنا ديجا هضرنا عليه في شابيتر 7 تخيبيا هذا الشيء اللي كنا هضرنا عليه تلقي يا اخوان هذا هو اللي هضرنا عليه في ديك لابارتي مزيان الوغ هذه هي شابيتر 8 اي شابيتر 7 شابيتر 9 و 10 ان شاء الله نهار الجمعه غنديروهم وصحاب اونتيغون نشوفكم غدا ان شاء الله فاس ا فاس الوغ غدا غنديرو ان شاء الله فاس ا فاس بين كريون وبين اونتيغون دونك نحاولوا في هذا الاسبوع باش ما كان نكملوا l'explication تاع لي دو رومون سي ادير بروغرامي عندكم في ريجيونال و ابخي ندوزو لي زيكزامان ريجيونال تاع فين اخوان اللي عندكم تهلاو فلوسكم نشوفكم بعد